Et salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog. Donc voilà, j'ai quelques deux trois petites choses à vous dire. Donc du coup, je pense qu'un petit vlog avec un fond de GTA, ça serait pas trop mal. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai quelques informations importantes entre guillemets à vous dire. Donc tout d'abord, on va commencer par les tutos Redstone. Donc comme vous l'avez remarqué, j'ai pas fait de tuto Redstone depuis très longtemps. Ça c'est dû au fait que j'ai pas. En général, donc les systèmes que je vous ai montrés jusqu'à présent, c'est des systèmes que j'avais en tête, que j'ai fait moi-même. C'est pour ça que souvent ils sont pas compacts ou autres. Il y a juste justement l'ascenseur à bateau où j'avais repris de FedEx Gaming. Du coup, j'aime pas. Je veux dire, j'ai pas envie de vous faire des tutos Redstone que vous avez déjà vu 100 000 fois, qu'il n'y a rien de nouveau, juste refaire le tuto. En fait, j'ai pas envie de refaire juste le tuto bêtement comme ça. Par exemple, je prends de la X-Map d'Hyper, ben hop, je vais faire un tuto. Moi, la X-Map que je vous ai montré, c'était la salle d'Hyper, hein, soyons clairs. Mais il y avait une petite modification avec les. Non, tout déjà, je parle. Il y avait juste une petite modification à faire, quoi, que j'ai montré. Je trouvais ça intéressant de la faire sur console pour montrer qu'elle fonctionnait bien aussi. Enfin bref, j'aimerais bien faire des systèmes moi-même, mais j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée parce que tout ce que j'ai en tête a déjà été fait par beaucoup de personnes qui font de la Redstone. C'est des systèmes que vous avez déjà vu 100 000 fois, il n'y a rien d'intéressant à voir, rien de nouveau à voir. Donc du coup, c'est pour ça que pour l'instant, j'ai pas de nouveau tuto Redstone à vous montrer. Je ne sais pas, je pense que j'en ferai de temps en temps, mais ce sera très rare quand je trouverai des idées. Ou alors si vous avez des idées, ben, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Hein. Genre des petits défis en Redstone ou quoi, il n'y a pas de souci. Je m'attellerai à la tâche, j'essaierai de faire ça. On verra bien si j'y arrive ou pas. Mais les tutos Redstone pour l'instant, ben, je me pose la question de si je continue ou pas. De toute façon, je vais entre guillemets continuer. Je sais pas s'il y aura des nouveaux, mais si je trouve une idée ou quoi qui me plaît et que j'arrive à faire le système Redstone et que ça n'a pas été vu 100 000 fois, même s'il a déjà été fait, mais qu'il n'a pas été vu 100 000 fois et que c'est un truc pas très connu, ben ça, je vous le montrerai, je le ferai. Mais tant que je trouve pas quelque chose d'original à faire ou quoi, vous n'aurez pas de nouveau tuto Redstone là-dessus. Je me suis fait une petite fiche. Donc, le niveau. Lester, tu vas pas me. Faut la paix s'il te plaît. Donc la partie tuto Redstone c'est fini. On va parler de tous les let's play que je fais. Donc de la map Crusoe, de Far Cry et d'Alien Isolation. Donc vous avez remarqué qu'Alien Isolation a repris du poil de la bête comme on peut dire. Ça va continuer. Donc je pense en fait que je vais mettre le let's play de Far Cry et le let's play de Crusoe en pause. Même si le let's play Crusoe vous avez juste eu l'épisode 1, bah, on va dire que c'était un petit teaser, voilà, on va l'appeler comme ça. Même si c'est pas le cas, c'était pas comme ça dans ma tête. Ah oui, je suis pas tout seul, c'est vrai, on est en ligne. C'est pour ça qu'il me faut dedans, ok. Bon, on va lui répondre parce que sinon il va jamais nous laisser la paix. Donc du coup, je pense que le let's play de Crusoe et de Far Cry, je pense que je vais les mettre en pause. Le temps de terminer le let's play d'Alien Isolation. Et peu après, je ferai le let's play de Far Cry, je le terminerai. Et puis je continuerai seulement la map Crusoe. Je pense que je vais faire comme ça. Ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus propre pour vous. Je pense faire comme ça. Donc la partie let's play, c'est fini. La map Urbi, donc la map Urbi 2.0. Je fais très peu d'épisodes dessus, par contre je fais beaucoup de live dessus. Donc d'ailleurs si vous voulez me suivre, donc si vous voulez regarder mes lives, il y a le lien dans la description, comme à chaque fois, dans n'importe quelle vidéo, il y a les liens importants dans la description. Du coup je la fais quasiment tous les soirs, on fait du Minecraft sur la map Urbi. Si ça vous intéresse, si la map Urbi vous intéresse, bah, je la fais en live. Pour ceux qui veulent, les rediffusions, toutes les rediffusions de mes lives sont sur ma chaîne Twitch. Et tu vois, mec, je vais te tuer. Je te jure que je vais te tuer. Ouais. Il est où? Bon bref, on s'en fout, on va juste essayer de le semer, de toute façon il peut l'attraper mieux que moi, le gars qui fait le malin.
Donc je la continue énormément en live, je ne l'ai pas du tout arrêtée. Donc j'ai dit, vous allez sur ma chaîne Twitch et vous allez voir dans les rediffusions, je ne sais pas où c'est la section pour vous, mais il y a toutes les rediffusions de mes lives. On a commencé l'usine Enderman, on l'a même quasiment fini, et je pense faire de temps en temps une petite vidéo récapitulative, donc quand on a avancé sur quelques projets, quand on commence des projets importants ou quoi, je pense faire une vidéo sur la map urbaine, mais simplement des récapitulatifs de live, donc du coup rien d'intéressant pour ceux qui regardent les lives. Je pense que je vais continuer la map urbaine comme ça. Il y aura peut-être un épisode, un vrai épisode de temps en temps. On verra bien. Sinon, pour les lives, donc la partie urbaine c'est fini. Pour les lives, donc on m'a. J'ai été invité dans une nouvelle web TV, donc c'est un site qui vient d'ouvrir. Il n'est même pas encore fini, donc c'est pour ça que je vous en ai pas encore parlé. Mais ça devient de plus en plus concret, donc c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Par contre, je ne sais pas si ça va bien se dérouler ou pas. Je ne sais pas comment. Je ne connais pas encore la qualité du site. Donc, il y a ma page qui est déjà faite. Donc, vous aurez le lien dans la description de cette vidéo. De ma page sur cette Web TV là. Mais je ne sais pas comment ça va se dérouler. On verra bien. L'avenir nous le dira. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais même pas si je vais. Commence entre guillemets, c'est prévu, hein. Si tout commence bien et tout, c'est prévu, mais ils ont eu quelques petits soucis avec le programmeur du site et tout ça. Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer, on verra bien. Donc voilà, juste pour vous dire que je suis sur une Web TV, mais j'ai encore rien fait dessus. On verra bien comment ça se passe, c'était juste pour vous le dire, pour vous tenir au courant, et on verra bien comment ça se passe. Donc ça, c'est fait, donc la partie live, c'est fini. Donc sachez que je suis en live quasiment tous les soirs. Soit de 19 à 21h ou alors de 20 à 22h. Donc c'est toujours, quasiment toujours des lives de 2h. Des fois je fais un petit peu 1h30, 1h40 parce que j'ai pas toujours le temps qu'il me faut. Ou alors j'ai pas toujours l'envie qu'il me faut. Je veux dire par exemple l'usine Enderman quand on l'a commencé. Eh ben j'avais tout simplement. Ouais désolé je m'arrête. Je suis en train de parler en même temps, c'est pour ça que je roule très lentement et tout ça. Donc l'usine Enderman, ben, j'ai montré un peu le système, puis après c'était juste à répéter les étages la même chose. Et ben, j'ai préféré arrêter le live après 1h30 puisqu'il n'y avait plus rien d'intéressant à montrer. Donc je préfère arrêter le live après 1h40 de live, tout simplement parce qu'il n'y avait plus rien d'intéressant à montrer. Hein. C'est pas que je m'ennuie ou quoi, parce que moi j'ai continué à faire l'usine après, d'ailleurs l'usine est quasiment terminée à l'heure où je vous parle. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'en live, je suis quasiment en live tous les soirs de 19 à 22h ou enfin de 19 à 21h ou de 20h à 22h. Et je pense que je vais me mettre à faire des YOLO live. Donc quand j'ai le temps ou quoi, ben hop, je lance un YOLO live sur GTA par exemple. Pourquoi pas après cette vidéo par exemple, je lance un YOLO live. Bref, alors. Donc la partie Web TV et live c'est fini. Maintenant les tutos Notblock. Donc les tutos Notblock, vous avez vu que j'ai fait sur celle de Michael Myers, celle de Mario Bros aussi. J'en ai fait deux pour l'instant et je pense que je vais continuer parce que ça me plaît beaucoup. J'en ai déjà un troisième de fait, il n'y a plus qu'à le faire le tuto. Donc, par contre le troisième est plus complexe que les deux premiers parce que les deux premiers j'ai pris des CEP. Mario Bros et Michael Myers c'est des musiques très très CEP. J'ai pris les plus simples, pour être honnête avec vous, j'ai pris les plus simples. La troisième, par contre, j'ai pris une compliquée, donc je vais pas vous teaser sur ce que c'est. Mais c'est une un peu plus compliquée que tout le monde connaît. Donc Michael Myers, je savais bien que tout le monde n'allait pas connaître. Bon, Mario Bros, tout le monde connaît ça, je pense. Ou quasiment tout le monde. Mais là, c'est sûr à 100% que tout le monde connaît. Donc la troisième, tout le monde la connaît. Vous verrez, elle est sympa, elle est un peu plus compliquée, mais je suis plutôt fier du montage que j'ai fait. Donc ça me prend beaucoup de temps par contre, donc vous en aurez genre une par semaine, ou alors une toutes les 2 semaines, parce que ça prend pas mal de temps de montage, et YouTube n'est pas mon métier, donc du coup j'ai pas toujours le temps pour faire ces tutos. Donc je pense continuer parce que ça me plaît beaucoup et ça vous plaît beaucoup. Donc du coup je pense que je vais continuer à traduire ces systèmes là. Enfin ces systèmes là. Oui voilà, ben, je voulais parler d'ailleurs de FedExeMain. Donc on reste dans la partie Notblock. Mais on revient sur les tutos Redstone. Donc les tutos Redstone, ben, si vous voulez, il y a FedExeMain qui fait beaucoup de tutos Redstone. Donc c'est de lui que je prends les tutos Notblock et je les traduis en français. Je rappelle qu'il m'a donné l'autorisation, je lui ai demandé, il m'a donné l'autorisation de traduire ses vidéos en français. Donc... Si vous voulez, je peux traduire quelques systèmes qu'il fait en français, donc quelques systèmes en redstone en français. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir ces tutos redstone-là traduits, ou alors si ça ne vous intéresse pas plus que ça.
Bref, sinon la partie notre blog, bah, ça continue. On verra bien comment ça se passe. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Vous appréciez, j'apprécie, donc c'est parfait. Donc, partie notre blog, c'est fini. Alors, l'avenir de ma chaîne. Donc, on va parler un petit peu de l'avenir de ma chaîne. Donc, vous êtes au courant, hein, je le dis très souvent, je le rappelle très souvent, que j'aimerais bien passer sur PC pour Minecraft, principalement. Quand je passerai sur Minecraft, sachez qu'il y a déjà une map, une map, pas avec un B, avec un P, une map modée que je vais faire, pas tout seul. Donc il y a déjà une map modée. Donc là je vous dis un peu, bon, ceux qui me suivent sur Twitter, normalement vous devez être au courant avec qui je vais faire ça. Donc la map est déjà entre guillemets commencée, elle est déjà même bien commencée. Pas par moi, hein. Moi je suis pas au courant dessus, j'ai pas de PC. J'ai pas de PC qui me permette de faire tourner Minecraft. Oui, je sais que le même très bête PC fait tourner Minecraft, mais j'ai même pas un très bête PC. J'ai vraiment un PC très très horrible. Je dis ça, j'ai testé Minecraft hein, sur le PC. C'est le PC de ma soeur, donc c'est un PC portable, mais j'ai testé Minecraft. C'est juste pas possible de faire tourner Minecraft dessus. Donc pour vous dire, j'étais en distance de deux chunks. Donc deux chunks, hein, on voyait genre à trois blocs plus loin. Bon là j'abuse un peu. Et ça ramait, donc pour vous dire à quel point. J'avais désactivé tous les nuages, j'avais tout désactivé, j'avais mis tous les graphismes au minimum, tout au minimum, mais pff, ça laguait quand même. Donc pour vous dire à quel point. Donc voilà, il y a une map modique qui est déjà prévue. Sinon, apparemment, c'est possible de passer la map PS4. Donc une map PS4 ou une map console sur PC, apparemment c'est possible. Je sais pas, on verra bien. Mais si c'est vraiment possible, je pense que je vais passer la map Urbi 2.0. Je pense que je passerai la map Urbi 2.0 sur PC, si jamais ça arrive. Ben là, je vous parle de PC, mais c'est pas prêt d'arriver. Donc, à mon avis, c'est au plus tôt. Donc, je dis bien au plus tôt, dans 2 mois. Donc dans 2 mois, donc c'est quand même conséquent. Et je dirais au plus tard, ben, fin février 2016, évidemment. Hein. Fin février, je dirais. Ouais, je dirais ça. Parce que honnêtement, je sais pas comment ça va se passer. On verra bien. Voilà, on verra bien. On verra bien. Donc la partie PC, ben, c'est fini. Je pense pas que j'ai oublié quelque chose. Hein. Je vous ai parlé de la map modée. Je vous ai parlé de l'avenir de la map Urbi sur PC. Donc sinon, bah, si je ne pourrais pas passer, bah, je recommencerai tout simplement une nouvelle map survie parce que j'aime beaucoup le mode survie moi de Minecraft. Donc du coup, ça me plaît bien. Donc une petite map modée et une map en survie vanilla. Donc je pense que ça fait la bonne paire. Et sinon, je pense que je vais faire un petit peu comme Aurélien Sama des maps jump. Donc il faut savoir que je suis très nul en jump, en speedrun pardon, en speedrun. Et on verra bien si j'en ferai, c'est sûr, mais une ou deux, je sais pas, on verra bien. Sinon, on fera du PVP aussi, j'organiserai des trucs avec les abonnés des PVP, des parties PVP, tout ça, sur des serveurs tels que Fandom Games et autres, je ne sais pas, ou Funcraft ou des trucs comme ça. Bref, voilà. Et sinon, bah, la dernière partie, on va parler des réseaux sociaux. Donc, j'ai pas mal de réseaux sociaux. Donc, je suis sur Twitter, évidemment. Donc là, je vous conseille énormément de me suivre sur Twitter. C'est là que je tweete tous les jours. Oui, non, j'allais dire quasiment tous les jours. Maintenant, je tweete tous les jours. Je donne des informations importantes. Donc, quand je like, quand je lâche pas, à l'heure que je sors mes vidéos, quelle vidéo ça sera, quelle vidéo je suis en train de faire. Vous avez peut-être des petites teases. Il y a énormément de trucs. Je tweete aussi beaucoup, beaucoup de conneries, de trucs qui n'ont rien à voir, des trucs qu'on s'en fout. Mais voilà, donc je trouve que voilà, c'est pas mal. C'est pas Twitter. Donc, je vous conseillerais vivement de me suivre sur Twitter parce que je tweete énormément de trucs. Sinon, j'ai une page Facebook, donc qui est vous avez le lien dans la description de la page Facebook, de Twitter aussi, vous avez le lien dans la description. Sinon, bah, sur Facebook, bah, là, je mets pas beaucoup de nouvelles sur Facebook, donc ça, voilà, suivez-moi si vous voulez vraiment savoir quand je sors mes vidéos. Mais il n'y a pas plus de nouvelles que ça. Si vous voulez des nouvelles, bah, c'est sur Twitter, pas sur Facebook, parce que j'aime pas trop Facebook, hein, pour être honnête, j'aime pas trop Facebook, j'utilise rarement, donc voilà. Alors il y a Vine où je tweet des Vines de... Enfin je tweet des Vines, non, non, je fais des Vines de toutes sortes, donc ça si vous voulez c'est pour le fun. C'est que des conneries, que je fais des Vines que sur des conneries, ou alors de temps en temps je fais des petites teases.
Il y a Instagram aussi où je tue des images. Donc l'enregistrement a coupé. Donc je disais partout c'est HNT666 sauf sur Twitter, mais Twitter vous avez le lien dans la description. Donc sur Twitter c'est HNT666 tiré du bas 7, mais vous avez le lien dans la description pour être sûr de pas vous tromper. De pas tomber sur un fake parce que je suis quelqu'un de très populaire. Non je déconne, il n'y a pas de fake hein. Bref, donc voilà, il y a quoi. Donc j'ai parlé, attendez je vais regarder sur mon GSM pour être sûr de pas oublier. Tac tac tac. Donc Facebook c'est fait, Twitter c'est fait, bah YouTube, bah, vous êtes sur ma vidéo de YouTube là, donc voilà. Instagram c'est fait. Ah oui, il y a Tumblr aussi, où je suis sur Tumblr. Je suis sur Periscope aussi, donc tout ça c'est HNT. Si si si, c'est Periscope, Tumblr, Snapchat aussi. Donc j'en avais oublié pas mal quand même. Hein. Et voilà, donc voilà. Ben, je pense que c'est à peu près tout pour ce vlog. Donc voilà, pas mal de choses importantes à dire. Et voilà, ça fait du bien de faire un petit vlog de temps en temps, c'est reposant. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ces petites nouvelles. J'espère que vous apprécierez tout autant l'avenir de la chaîne. Et petite information, le 28 octobre, ce sera les 1 an de la chaîne de cette chaîne YouTube là. Donc je pense fêter ça par un petit best-of, donc par ordre chronologique. Donc c'est-à-dire mes tout premiers commentaires sur cette chaîne-là. De toute façon, c'est mes tout premiers commentaires. Faut savoir que c'est pas ma première chaîne YouTube, mais c'est la première fois à la chaîne où je fais des commentaires. L'autre chaîne, je ne fais plus vidéo dessus, donc ça sert à rien d'y aller. Je l'utilise encore, mais je ne l'utilise pas pour faire des vidéos. Donc, inutile d'aller dessus. Bref. Donc je pense faire un petit best-of, mais un best-of ça prend énormément de temps de faire un best-of, donc du coup je ne suis pas sûr d'en faire un. On verra bien. J'aimerais bien en faire un, et ce sera par ordre chronologique, donc voir un peu. Ce sera pas vraiment fun, mais ce sera pour voir l'évolution de la chaîne, parce que évidemment il y a eu énormément de monde. Donc en un an, mais je reparlerai de ça, j'ai pas envie de parler de ça maintenant, j'allais parler sur la chaîne, mais non. On reparlera de ça au 1 an de la chaîne, donc le 28 octobre, ça fait le 1 an de la chaîne. On reparlera de ça. Ok. Et bref, donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous apprécierez l'avenir de la chaîne, que vous apprécierez toutes les vidéos, que vous laisserez beaucoup de commentaires, beaucoup de pouces bleus, je ne le demande jamais parce que vous savez comment faire. Et voilà, donc je remercierai toutes les personnes en temps voulu, toutes les personnes qui m'ont soutenu jusqu'ici. Non, ça c'est pour les 1 an de la chaîne là, vous voyez, je passe sur les 1 an de la chaîne. Donc c'est un vlog Kenny, c'est juste pour donner des nouvelles de la chaîne et pas pour parler de la chaîne. Enfin si, pour parler de la chaîne mais pas pour parler des 1 an. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Wouhou, bye bye. Oula. Oh là là. C'est une voiture tout terrestre. Allez, bye bye.